Représente, regarde. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris, regardez. Sors de là, sors de là. Vous voulez m'emboucaner les gars, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? C'est sérieux quoi, mais t'es un malade toi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous allez faire les gars? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve de nouveau pour une toute nouvelle vidéo. On est au Vieux-Port à Marseille plus précisément. Et là les gars, vous voyez j'ai le maillot de Paris. J'ai même pas besoin de vous expliquer le concept de la vidéo. Tout simplement, portez le maillot du PSG dans les rues de Marseille. Vous allez voir, on a tourné la vidéo, c'est une dinguerie. Les gars, il a failli finir en GAV. Lui, il est allé carrément dans le Vélodrome et tout, il est parti, enfin on est allé devant le Vélodrome. Il y a même les filles qui arrivent pour nous là, tu vois. Il a fini au Vieux-Port et tout, c'est un truc de ouf. Les gars, j'ai pas envie de tout vous spoiler, regardez la vidéo jusqu'à la fin, très très important. Soutenez aussi le frérot TML, voilà, il fait du son. T'as vu l'atmosphère avec mes frères dans l'OG, un sombre équipage avec un passé odieux. Ne touche pas la famille ou je déboute dans ta vie, je fais la tempête. La mission est obscure et sévère. Il est Majin Marseille, il envoie du très très lourd, tout sera en description. Je remercie aussi le frérot Rico, il a porté ses coronets, je vous ai dit, il a failli finir en GAV. Ah ouais, c'était chaud, là. J'en dis pas plus. Je remercie Bruno qui a filmé avec la GoPro des images exceptionnelles. Grand merci à toi Fatri aussi. Moi c'est toi, je te connais, c'est frigo risque. Tu as pris des risques de ouf. Il y en a même qui me regardent derrière là. Exactement. Et Ryan aussi, merci à toi frérot, t'as été aussi un bon. On a simulé une fausse bagarre. Les gens y ont cru jusqu'au bout. Ça a été énormissime. Et le message derrière tout ça les gars, surtout vraiment ne pas se prendre la tête, ça reste un sport. Il y a une seule passion qui nous réunit, c'est le football. Exactement. Comme on dit, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion. Donc voilà, là c'est plus une vidéo divertissante pour que vous puissiez kiffer. N'hésitez pas pour une troisième partie, j'avais déjà fait une partie avec Gauthier, une troisième partie, 10 000 pouces bleus. Et là sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo, let's go. Go. Bon les amis, là on est en direct de Marseille. Regarde, il y a le Vélodrome, je peux filmer avec toi. Voilà, il y a le Vélodrome qui est là-bas. Et donc là, ce qui va se passer les gars, j'ai porté le maillot. J'ai du mal à prononcer le maillot de pas. Les gars, je vais porter le maillot du PSG. Il y a des gars qui sont devant le Bengou Shop. Hein? Ah non, c'est Paris, frérot. C'est Paris. Ah, les Parisiens, c'est ce que je veux te dire, ils sont forts au foot, ils sont forts aux acrobaties, tu vois. Paris c'est magique, mais Marseille bébé. Ah, Paris c'est magique, même toi tu l'as dit frérot. T'as vu, moi je suis venu faire un petit vlog ici tranquille, et deux Marseillais, tu sais, ils sont en train de m'emboucaner, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis un peu de Marseille de base, mais t'as vu, je supporte Paris, tu vois, avec Messi et tout. Et frère, t'es d'accord que ça sert à rien de faire la guerre comme ça. Ça, on ne passe pas mon souci. Hein, non, mais toi t'en penses quoi, genre... Ah mais c'est pour faire un vlog, tu vois, pour dire justement, pour montrer un peu que les Marseillais sont pas que, tu vois, il n'y a pas que la Cassène. Hein? Avec les bracelets? Eh oui, avec les bracelets et tout, frérot. Ah, tu es mauvais endroit, ici. Eh ouais, mais tu vois, c'est... Ah, je... Hein? Je peux poser ton maillot là-bas, tu as des paillassons et tout. De quoi, ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez m'emboucaner, les gars? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est sérieux, quoi, mais t'es un malade, toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? Vous êtes deux sur moi. Vous êtes deux sur moi, attends, bouge pas. Vas-y, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, les gars, il y a un problème. Allez, c'est normal, sérieusement. Viens là, qu'est-ce que tu fais? Allô? Passe comme ça. T'es un malade ou quoi? Je suis en train de faire un vlog, mais t'es un fou. Putain, il m'a pété une bouteille. Non, il est avec moi, on est en train de faire un vlog.
C'est mise en scène, c'est une caméra cachée, on est tous campus, je suis marseillais frérot. Les gars, c'est une caméra cachée, je suis acrobate. C'est vrai? Ah, dès que je t'ai mis un bout de champagne. Et ça, c'est du sucre, c'est pas du revers, c'est du sucre. Il y a un caméraman, il est en train de filmer. C'est du cinéma, madame, il n'y a pas de souci. C'est une caméra cachée. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, non, on est anti-violent. Il y a le patron de boutique des supporters avec son associé, donc ils ont tellement kiffé la scène que ce qu'ils nous ont dit, ah bah, c'est est-ce qu'on peut faire une scène avec vous? Voilà, est-ce qu'on peut faire une scène avec vous? On leur a dit bah, grand plaisir, surtout que voilà, je pense que c'est le rêve de tout Marseillais de pouvoir jeter un supporter du PSG. Exactement, voilà. Alias Fakhri, là on continue, c'est parti, on est au. Franchement, j'ai marché à Marseille avec ce maillot là. Et honnêtement, il y en a un qui était gentil qui m'a dit écoute, enlève-le, sinon, soit tu te l'enlèves, soit il y a des gens qui vont venir qui vont te l'enlever. Tu vas t'enlever de force. De force. Il t'a prévenu quand même. Il m'a prévenu. Au moins, il m'a prévenu. Du coup, on va aller au Vieux-Port. Il y a les frérots qui étaient au Bengou Shop là, tout à l'heure qu'on a piégé. Ils nous rejoignent au Vieux-Port. On va faire la scène pathétique. On va jeter Fakhri à l'eau. Alors, si Ryan, là, ça va être vraiment hardcore. Il est pas prêt, Fakhri. Il est pas prêt. Ouais, ça va être hardcore, les gars. Il est bon, hein? Il est failli écraser la parisienne. Ah! C'est pas Paris ici, hein? Jette-le! Comment que je veux? Paris ici, hein, gros! Comment tu veux? Jette-le, ton maillot, frère! Ah! Mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, vas-y, jette-le, c'est bon. Côte de Parisien, jette-le. Il n'y a pas de caméra cachée, monsieur. Bien sûr, on va le faire plus s'il vous plaît. Ça vous met à l'abri des regards, tranquille. C'est rien, en fait. Oui, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Faites votre travail, il n'y a pas de souci. Monsieur, l'intervention doit filmer. Je vais t'aider, Oh,
Mesdames et messieurs, c'est une caméra cachée. La caméra cachée. Non, elle est bien prête, elle est bien prête. Il n'a pas rigolé, gars. Waouh, voilà. Elle est bien faite, allez. Allez. Dans le sang. J'enlèverai un petit truc à bonne. Bah ouais, tu coupes 2-3 montages, tu coupes et c'est bon, tu dis bien. Bon l'équipe, c'est la fin de cette vidéo, franchement, gros tournage en direct de Marseille avec les frérots, Rico, Fakri, TML, Bruno aussi. Ryan, ton prénom c'est quoi? Abdou qui a filmé aussi. Franchement les gars, on a pris énormément de risques. Yeah. Donc franchement les gars, maximum de pouces bleus. Un maximum bleu là, ouais, t'as mis. Vas-y Pakri, régale-nous, Pakri. Régale-nous, Pakri. Allez Pakri, allez Pakri, allez Pakri.